Nassim Bouiti est un écrivain et chercheur en histoire de l'Afrique. J'ai publié plus de 26 livres. Je suis aujourd'hui le deuxième plus grand écrivain qui a le plus publié après Théophile Bénin. J'en ai publié, même si les gens peuvent se moquer de moi. Je ne reçois pas le soutien de Sassou Nguesso parce qu'il n'est pas là pour promouvoir la littérature. Il n'est pas là pour promouvoir les élites. Mais le but, c'était quoi? À l'époque, j'étais très motivé, vous savez. Moi, je suis né dans une famille de littéraires. Je suis issu du royaume de Luangwa. Les premiers écrivains étaient Vili, étaient du royaume de Luangwa. J'ai commencé à écrire très jeune, j'ai commencé à promouvoir la littérature de mon pays. Mon rêve, c'est le Congo. L'amour de ma vie, c'est le Congo. Mon pays, j'aime mon pays, j'aime l'histoire de mon pays. J'adore le Congo et son histoire. J'ai aussi pour ambition de promouvoir les personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Parce que le Congo, c'est un pays, mais il y a aussi des Congolais. Et il y a des Congolais qui ont marqué l'histoire. Il faut qu'on raconte l'histoire à nos enfants. Aujourd'hui, si les Européens commencent à nous insulter et dire que non, l'Afrique n'a pas de philosophie, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, nous n'avions pas d'écrivains, nous n'avons pas de livres, nous n'avons pas de culture à présenter aux Blancs. Mais aujourd'hui, il y a des Nassim Bouiti qui sont là, qui ont dit, nous allons prouver le contraire à d'autres peuples, à d'autres races, que le Congo, que l'Afrique également a ses propres écrivains. Je regrette, mais je ne regrette pas aussi. Parce que, d'une part, comme j'ai dit, je suis écrivain congolais. Mon but, c'est de promouvoir. Mon travail, c'est d'écrire des livres et de promouvoir l'histoire de notre pays. C'est d'abord ça, mon boulot. Mon boulot, c'est ça. Et j'ai écrit ce livre à l'époque où je pensais bien qu'il fallait apporter ma contribution, écrire sur le président de la République, qui est Sassou Nguesso. Tout ça. Mais je constate qu'il ne comprend pas la misère de son peuple, qu'il n'a pas l'écoute, il ne se soucie pas des populations. Il est méchant, il est criminel. Et moi, je ne peux pas continuer à soutenir un criminel. Je ne peux pas continuer à écrire des livres pour un criminel, même si j'en ai écrit quatre que j'ai fait publier par mes jeunes frères, qui sont aujourd'hui des députés, tout ça. Qui vont là-bas se gonfler avec ces livres, mais c'est Lassi qui écrit, parce que je voulais promouvoir la mémoire d'un président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et j'ai écrit quatre livres sur lui. Montrez-moi un écrivain qui a écrit quatre livres sur Sassou Nguesso. J'en ai écrit parce que je voulais partager, je voulais promouvoir. Mais je vous dis aujourd'hui, je regrette d'une part, parce qu'il m'a déçu. Il m'a déçu. J'ai vu des dictateurs comme les Kadhafi, mais qui. Ils étaient là pour leur pouvoir. Ils ont été des dictateurs. Kadhafi a même été assassiné au pouvoir. Mais on a entendu dire que pendant que Kadhafi était vivant, son but principal, c'était d'améliorer les conditions de vie des Libyens. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai des camarades libyens écrivains qui me disent, mais on regrette Kadhafi. Parce que pendant que Kadhafi était là, au temps de Kadhafi, on mangeait, on était logés. On était soigné, on étudiait dans des bonnes conditions, on avait du boulot, on avait tout. Mais c'est quel genre de dictateur? Tu es là, tu es dictateur. D'abord, tu es égoïste, tu veux dicter les gens, tu es là, tu veux t'imposer, tu veux. Mais tu t'en fous des gens. Le minimum, tu es incapable de faire le minimum pour les Congolais. Les Congolais deviennent des koulounas. Pour manger, ils doivent aller dans la rue, voler, agresser, commettre des crimes. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai dit à Kongakala qu'il doit faire très attention. S'il y a des gens qu'il doit arrêter, il doit commencer d'abord à arrêter Sassou Nguesso, qui pille l'argent du pays. Il a parlé des lois, le code de procédure pénale, patati patata. Mais monsieur, toi qui es juriste, applique d'abord ces lois sur Sassou et Kiki qui pille l'argent du pays, qui sont devant toi chaque jour. Il est capable de faire arrêter même Kiki, là, qui pille l'argent du Congo, qui construit des immeubles tous les jours. Il a eu l'argent. Il gagne combien, lui? Il a quel bagage? Qu'est-ce que Kiki a pour qu'il gagne 2, 3, 4 millions? Plus que les vrais Congolais qui méritent. Qui commence d'abord à faire arrêter les Kiki? Qui commence à faire arrêter Sassou Nguesso? Qui paye l'argent? Qui demande à Sassou? Tu as payé combien de milliards de Congo? Qui les met en garde à vue au lieu d'arrêter les jeunes qui ont faim, qui sont pauvres, qui n'ont rien? La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ça. On arrête le directeur de l'hôpital de Lucie pour avoir pillé 1 milliard. On arrête Okemba, maire de la ville, pour avoir volé 1 milliard. On arrête
Alors que les gros voleurs se trouvent avec lui dans sa famille. Commençons par lui-même, le gros voleur, qui pille la zone de notre pays. Mais c'est de la comédie. Et M. Ngakala doit prendre conscience. C'est un juriste, nous, on n'a pas de problème avec les avocats, même si c'est une justice manipulée par Sassou Nguesso. Mais qu'ils arrêtent de divertir les gens.